merveille inspire dans nos journées le vrai chemin de sainteté. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Bonjour et bienvenue à tous les amis de la miséricorde qui se groupent au pied de la croix avec Marie. Et aujourd'hui, nous sommes lundi 17 janvier et nous fêtons Notre-Dame d'Espérance de Pontmain. Et oui, au moment où tout était semblait perdu, où la mort était concernait tout le monde, eh bien, quatre petits enfants, vous voyez, c'est toujours aux enfants qu'elle apparaît, vont manifester leur vision, vont expliquer leur vision et le village va se réunir et commencer à prier avec le prêtre, les sœurs. Et plus les villageois se réunissaient, plus ils priaient et plus Marie grandissait, ce qui voulait bien dire que grâce à la prière commune, eh bien la force de la Vierge pouvait grandissait et les miracles pouvaient advenir et c'est ce qui va arriver. Les Prussiens vont être arrêtés, les enfants, les jeunes garçons qui étaient partis à la guerre vont tous revenir sains et saufs et tous les villageois vont être délivrés de la guerre puisque l'armistice sera signé peu après. Alors c'est un enseignement pour nous. Prions, prions en groupe, prions ensemble et Marie pourra faire advenir les miracles. Et vous avez bien raison de prier tous les jours, de prier avec persévérance, avec insistance. Alors nous allons prier à toutes vos intentions, mais en particulier pour les guérisons des malades, du Covid, du cancer, tous les malades, pour tous ceux qui souffrent, pour Gérard, Rosanne. Nous prions pour la conversion de tous les pécheurs et de la France en particulier. Nous prions pour le pape, les prêtres, tous les membres de l'Église. Nous prions pour la délivrance des âmes du purgatoire et en particulier celle de nos arbres généalogiques, de ceux que nous avons connus, puis ceux que nous n'avons pas connus. Nous prions pour que le Seigneur fasse des miracles dans nos vies, et il les fera par l'intercession de Marie. Nous prions pour la paix dans tous les cœurs, sa paix. Nous prions pour la vie sous toutes ses formes. Nous prions pour les personnes âgées. Nous prions pour tous nos enfants et petits-enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous
et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et Seigneur Jésus, aujourd'hui nous voulons nous mettre vraiment sous la protection de Notre-Dame d'Espérance. Tu vois la condition de notre État français, ça fait 107 ans que
depuis 1905 et que l'Église a été séparée de l'État et que peut faire un État séparé de Dieu, eh bien voilà, ça aboutit à des centaines de milliers d'enfants qui sont tués chaque année dans le sein de leur mère. Seigneur, la vie est menacée en France. Des lois de vie contre la vie, des lois de mort sont votées sans arrêt pour tuer la famille, tuer la vie. Seigneur, nous nous mettons sous la protection de Notre-Dame d'Espérance, comme l'ont fait ces villageois. Et la Vierge peut faire des miracles. Nous avons confiance en elle, nous avons confiance en toi. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Notre-Dame de l'Espérance de Paume. Vierge drapée d'étoiles, toujours présente au monde d'aujourd'hui, enseignez-nous à prier en esprit et en vérité. Cause de notre joie, raffermissez notre espérance. Toute puissance suppliante, aidez vos enfants à mieux saisir votre rôle maternel. Notre-Dame de Paume, inlassable visiteuse d'une terre qui ne saurait se passer de Dieu, donnez-nous votre Fils. Très douce Vierge Marie, tu as dans ton apparition à Paume rappelé l'importance de la prière. Fortifie en nos cœurs l'espérance et apporter la paix. Daigne accueillir favorablement aujourd'hui la prière ardente que nous t'adressons pour que s'établisse dans nos cœurs, nos familles, notre pays et toutes les nations la paix, fruit de la justice, de la vérité et de la charité. Augmente en nos cœurs, en nos âmes, le désir de vivre pleinement notre foi, sans aucune compromission, dans toutes les circonstances de notre vie. Aide-nous à toujours comprendre les autres et à les aimer profondément en Dieu. Notre-Dame de Paume, priez pour nous. Mère de l'espérance, priez pour nous. Notre-Dame de la prière, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de Paume, priez pour nous, pour l'Église et pour notre patrie. Ainsi soit-il. Et aujourd'hui, c'est lundi, et ce sont les mystères, le joyeux du rosaire de la garde d'honneur qui nous sont proposés. Qu'est-ce que c'est que la garde d'honneur? Vous allez le découvrir pendant ces 4 jours, nous allons prier ces mystères. Bien sûr, cela vient de Paray-le-Monial, la cité du Sacré-Cœur. Bien sûr, c'est le cœur de Jésus dont il est question, de l'amour dont il nous abreuve et de notre amour à nous qui est bien froid. Alors, bonne prière, bonne découverte et on se donne rendez-vous demain à la même heure, à l'heure de la miséricorde. À demain !